Donc je viens juste ouvrir les fenêtres puis la porte parce qu'il fait pas chaud. J'ai remarqué que dans ma chambre, il descendait à 20. Quand ça descend à 21, parce que il y a la chambre principale avec mon gym, puis la chambre à côté qui est moins aérée avec la clim. Mais quand ça descend à 21, je sais que, oh, il commence à faire froid. Parce que je le sens dans la chambre principale. J'aime pas ça. Mais là, c'est descendu à 20. J'ai dit 20. Quand ça descend à 21, je sais qu'il fait froid. Mais là, ça a descendu à 20. Là, je suis comme, ok. Il n'y a pas de soleil dehors. La pluie, la broue. Tout ça, brouillard, comme on dit. Et c'est ça. On est le 29 juin à 9h48 et faut que je me déplace aujourd'hui pour faire masser quelqu'un ou deux personnes. Et je charge pour ça, donc je me déplace. Je charge aussi pour le temps de voyage, de déplacement, parce que je sais que ce genre de personnes-là vont pas revenir. Donc il faut m'affirmer pour dire, regarde, c'est tant d'argent, plus tant de déplacement. Parce qu'aussi, il faut que je paye pour le métro. Donc j'ai oublié ça, mais ça compense pour ça quand même. Et si c'est pas payé cash, je charge les taxes aussi, les impôts. J'ai un numéro TPS TVQ que je vais garder. Même à ça. Je déclare personnellement, donc il faut que je charge plus cher quand même. Même si j'ai pas le numéro TPS TVQ. La porte s'est fermée. Attends. Ah, c'est celui-là qui est fermé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le chaudière à côté de la porte. Des fois, ce que je fais, c'est que la porte dépasse la barre, puis ça bloque la porte, mais... ça me tente pas de monter la barre, puis... fait passer la porte, c'est trop compliqué, donc je mets de la chaudière. J'oublie tout le temps que quand plusieurs portes sont ouvertes, des fois le changement de pression fait en sorte que la porte ferme. Bon. Là, je prépare ma coiffer ou coiffer pour faire mes exercices. Je vais faire les squats. Ça va faire 5 jours que je n'ai pas fait. Donc, c'est pas pire comme temps de délai. Hier, j'ai pas beaucoup fait. Je suis allé voir un autre gym. Mais le gym, c'est... il n'y a pas de staff. Il n'y a pas des employés. Sauf durant les heures de pointe. Donc, faut que je trouve un autre temps pour y aller. Pas aujourd'hui parce que j'ai déjà quelque chose à faire. Comme j'ai dit. Ce qui me dérange encore, ben, je pense que j'ai dit ça dans la dernière vidéo, je suis pas sûr. Mais je suis encore très sensible à certains gens en ligne. Et il faut que je rappelle que en ligne, c'est souvent pas sain. C'est un environnement qui est pas sain. C'est comme exemple. Il y avait Facebook Dating.
Puis il y avait quelqu'un plus âgé. Je pense que j'ai cliqué le like parce que des fois je fais ça parce que c'est pas clair, puis je veux parler à la personne, tout ça. Puis peut-être aussi faire des amis, si ça fait en sorte que on peut faire des amis, tant mieux. Comme le rendez-vous que j'étais supposé avoir pour le souper samedi, c'est à cause du Facebook Dating. Est-ce que c'est mon ami? Pas sûr encore. Si ça prend du temps pour faire un ami. Je suis pas sûr. Mais c'est ça. Fait que ça passe avec un petit va-et-vient en conversation. Tu sais, des fois quand quand je vois que c'est comme comment ça va bien, toi ça va bien, puis ça arrête là. Il y a aucune initiation de une part ou l'autre, ça arrête là comme mort. Mais des fois, celui-ci ça s'est parti un petit peu plus. Où t'habites? Non, moi j'ai dit où t'habites à Montréal parce que je pense que lui a continué la conversation. Puis il disait qu'est-ce que tu cherches ici. Puis c'est quand même un peu bizarre quand quelqu'un plus âgé dit ça. Mais j'ai vu un petit peu ce qu'il écrivait. Tu sais, c'est un gaslight, on se comprend. C'est pas quelqu'un de beauté, de puis probablement tanné que qui est pas l'idéal du monde gay, que soit très découpé ou soit très musclé, mais il y a des bears, tu sais, c'est un nouveau, ça existait depuis longtemps, mais ça évite tout ça. Mais des fois il y a du monde qui sont pas bien dans leur peau dans cette manière-là parce que ils sentent une pression du monde gay. Ça se peut. Mais il disait qu'est-ce que je cherche ici? J'ai dit ben des contacts, des relations, des dates. Tu sais? Puis je dis toi, puis je dis quelque chose de sérieux. Tu sais. Il faut que ça développe à quelque chose de sérieux. Donc déjà, c'était comme. Des fois, il y en a des vieux qui sont très. Ben, c'est ça le monde toxique en ligne. Comme j'ai dit il y a quelques vidéos, il y avait quelqu'un à Ottawa qui était schizophrène, tout ça. Il était vieux, là. Il est vieux, puis il n'y a pas de connaissance du monde, puis il n'y aura jamais connaissance du monde parce qu'il y a une mentalité de quelqu'un de 6 ans au niveau de relationnel. Puis, tu sais, c'est comme. Mais quand même, je continue parce que c'est ça que je fais avec mon thérapeute pour, au lieu de pousser, juste aller voir comment ça déroule, tu sais, mais pour pas être en colère, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de ma part, il y a des sensations de rejet, d'abandon, tu sais, plus j'embarque dans ce genre de conversations toxiques. Ou toxique de ma part, ma perception de toxique. Donc, il disait, il cherche quelque chose de sérieux. Ok. J'ai laissé aller, tu sais, c'était comme un peu fantasmique, là. Commence avec les dates, à connaître quelqu'un. Il disait.
Genre, pour, qu'est-ce que tu... Pourquoi moi? Je sais pas, quelque chose. Je rappelle plus, mais j'ai ça m'a fait en sorte que j'ai répondu que j'aime les gros. Mais ça dépend de la personne, ça dépend de la chimie. Puis lui a dit, moi c'est la personnalité seulement. OK. Puis tout de suite, il a répondu, est-ce que t'es top ou bottom? Est-ce que t'es top? Tu sais? C'était comme, j'étais en train d'écrire, parce que là, c'était comme, ça fait pas bon ça, tu dis la personnalité, puis tu demandes comme quelqu'un qui est comme 20 ans, là, un enfant qui dit, est-ce que t'es top ou bottom? C'est, ça, je suis capable de comprendre ça du quelqu'un qui est plus jeune, parce que... Je permets plus des choses idiotiques des plus jeunes parce que il y a moins de vécu. Quelqu'un qui est comme 60, ça marche pas. Ça dit beaucoup de toi. Soit t'es très pas beaucoup d'expérience, ou il y a quelque chose très, il y a quelque chose faux avec toute ton affaire. Il y a quelque chose qui me Mais je laissais aller parce que des fois ça passe un peu plus rapide et je dis ok top parce que peut-être souvent le monde qui demande ça son bottom je dis ok mais j'ai failli mais tout de suite il dit ah ben ça marchera pas cette relation. Puis là, j'ai dit, ben, bonne nuit. Mais après, j'aurais dû pas répondre parce que, tu sais, j'ai donné mon énergie pour répondre à un idiot. Un idiot. Mais ça peut être un faux prophète, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'était quelque chose qui m'a offusqué, qui m'a débalancé. Mais parce que j'ai eu plein de rejets cette semaine, parce que j'embarquais à faire plus des relations, puis... Tu sais, hein, c'est des choses que je suis très sensible. Donc, chaque fois qu'il y a un rejet, ou une perception du rejet, ou... Bref, j'affronte une situation comme ça rajoute à la douleur, vous comprenez? C'est ça mon truc. Mais il faut que je réalise que presque 100% des gens sur des affaires comme ça sont toxiques. C'est comme, c'est le norme. Et c'est le nom de la société aussi. Bon, mais ça revient toujours à... Où est-ce que je peux trouver des bons gars, faire des connexions, t'sais. Je sais pas si j'avais dit que... Ouais, j'ai déjà dit, j'ai commencé un nouveau Instagram, que j'en parle pas de ça, mais c'était pour rencontrer du monde. Et il y avait quelqu'un que j'ai fait une connexion et je commence à faire plus critique parce que j'étais heurté. Et là, c'est comme j'avais l'impression que j'étais rejeté un peu. Mais là, il m'a revenu. C'est plus stable. Il me revient, mais tu sais, on fait pas du vidéo, on fait pas de quoi. Mais aussi parce qu'il fait
beaucoup d'entraînement et très fatigué. C'est compréhensible. Donc, c'est pas un rejet complètement, mais ça s'est stabilisé ou ralenti pour que je concentre sur d'autres personnes. Parce que lui, il est marié, il est dans un autre pays, puis... Bref, c'est ça. Mais c'est ça la douleur que je ressens tout le temps. J'ai la misère à rencontrer du monde. Mon champ d'intérêt fait pas en sorte que je peux rencontrer du monde, du bon monde. Et que... La société est faite en sorte que la plupart du monde sont toxiques. C'est pas juste ici dans l'Ouest, c'est dans l'Est, c'est partout. Ça, c'est énorme, il faut qu'on on comprend. Et des fois, c'est encore pire dans les autres cultures. Tu sais, pour l'instant, je préfère quelqu'un qui a une connaissance de l'Ouest ou qui est plus orienté vers l'Ouest et pas dans l'Est ou des autres cultures parce que il y a un paquet d'autres problèmes. Et souvent, les gens des autres cultures qui s'associe avec des gens de l'Ouest parce qu'ils veulent aller vers l'Ouest, puis ils sont comme, on n'est pas, tu sais. Puis moi, je veux pas d'aller dans les autres cultures, je préfère l'Ouest. J'aime ça. Puis c'est une façon de voir des choses. Dans l'Ouest, on est individualiste. Dans les autres cultures, le monde est plus vers la famille, vers... Les affaires comme ça, ils se connaissent pas. Parce que leur société fait en sorte que si tu connais pas, tu fais ce que tes parents disent, tu fais tout pour ta famille, tout ça, puis tu te perds dans... Tu te perds. Donc, déjà, ça fait en sorte que ça enlève des billions de personnes que je peux avoir une connexion avec. Mais ça, je crois que, j'y pense pas à ça, là, mais je crois ça ressemble à aux gens qui achètent un iPhone 10 ou X ou 11 ou quoi que ce soit, puis tu peux pas aller en arrière avec un iPhone 6. C'est déjà trop tard. C'est pour ça que j'ai un iPhone 6 seulement. C'est mon premier iPhone. J'avais besoin quand j'avais mes business et je le garde. Ça fait son affaire, puis j'ai pas d'intention d'aller plus loin. Jusqu'au moment que je suis forcé à aller plus loin. Bref, mon téléphone fonctionne plus. Puis le nouveau téléphone qu'il donne avec le contrat, c'est un 10 ou whatever. Une 7 ou une... Parce que ça n'arrête pas. Il y a toujours quelque chose plus avancé. Puis ça ne veut pas dire que tu l'as besoin. T'sais, je prends le minimum que j'ai besoin pour faire mon truc. J'ai de l'internet, oui, c'est lent. Mais c'est plus comme ça a été avec un modem. Vous voyez, c'est... J'aime pas ça aller dans le mieux tout le temps avec la vidange comme ça là. Tu t'adaptes avec ce que t'en as, avec ce que
vous avez, là, tu sais. Le monde qui a une voiture pour aller à l'épicerie qui est pas loin. Ça, c'est mon opinion à moi, les conneries comme ça, là. J'ai pas de voiture, j'ai un permis de conduire, j'ai pas de voiture. Puis si je veux aller quelque chose plus loin, je vais le. Quelque place plus loin, je vais planifier. Quelques places plus loin, je vais planifier la journée. Sinon, des fois il y a Uber, des fois il y a. T'sais. Mais c'est comme. Je planifie. Puis. La spontanéité devient pour moi. Dans ce genre de choses-là, devient trop entitled, que tu prends pas, vous prenez comme acquis que oh ben on va prendre la voiture, oh ben on va prendre l'iPhone 11, ah oh, ben on va prendre le Mac Air, tu sais, c'est comme c'est ça, mais c'est un peu comme la société avec les gens toxiques, le monde en ligne, tu sais, ils prennent beaucoup de choses comme acquis, puis le monde comme hier aussi, il y avait quelqu'un qui m'envoyait des belles photos, tu sais, puis c'est une conversation qui était rapide. Celui-là, j'étais content, j'ai bien géré ça. Parce qu'il n'y avait pas d'Instagram attaché à son profil sur une app sexuelle. Et si c'est quelqu'un de beau, c'est sûr que tu en as un Instagram. Ou tu me donnes, si je l'ai, tu sais, des fois, il ne fait pas le lien, mais si je demande, il y en a, tu sais, c'est comme sûr. À 100%. Mais, tu sais, c'est comme, ça allait très rapidement, tu sais. Là, je posais des questions, il posait des questions, j'ai dit... Tu vois, où Jim, tu sais, il commence à déboucher de ville, mais des fois, Saint-Laurent, des fois ça, des fois. Ah, ben, fais-moi signe si tu vas au Saint-Laurent. Puis là, il dit, est-ce que t'as tes photos sexy? Puis je dis oui. Non, j'ai pas dit oui à ça. J'ai dit oui à une autre question. Mais il a compris que j'ai dit oui à ça. Je dis, c'est quoi? Oui. Je sais pas. Mais en tout cas, fait qu'il a envoyé quelques photos. Dieu merci, c'était pas des photos du cul. Mais c'était comme, ok. Mais là, j'ai dit, est-ce que t'as un Instagram? C'est où tu as toutes ces photos-là? Puis t'es beau, puis c'est une belle personne, belle apparence. J'ai dit, c'est où? Donne-moi ton Instagram. Oh, j'ai pas d'Instagram, malheureusement. Là, j'ai répondu, j'étais de bon esprit, j'ai dit, mais comment je peux savoir si t'es pas un faux profil? Puis là, ils répondent, tout le monde me demande ça. J'ai dit, ben, tu devrais, t'auras plus de chance. Puis je laissais que ça comme ça, puis il n'a pas répondu non plus. C'était comme, ah, je l'ai catché. Tu sais, quand je commence à voir de plus en plus les fausses personnes, des choses toxiques. Tu sais, il cherche des photos sexes, des photos, tu sais. Il comportait comme quelqu'un qui était pas beau, parce que les bonnes personnes se comportent pas comme ça. Ça marche pas, tu sais. Un peu de confiance en ligne, parce que c'est fort probable que eux autres sont harcelés par des photos, par des affaires comme ça, puis ça marche pas, ce genre de comportement. Je l'ai catché. Probablement, si c'est quelqu'un qui n'a pas d'Instagram, c'est soit... Au début, je pensais que c'était quelqu'un qui est jeune, mais je pense que c'était quelqu'un dans les soixantaines qui collectionne les photos, qui ne savent pas comment utiliser Instagram ou quoi, mais ils savent comment utiliser les applications sexuelles. T'sais. Ça arrive souvent, j'ai déjà vécu ça avec des vieux. Ben, embarque sur FaceTime, embarque sur ça, embarque sur... Oh, je sais pas comment l'utiliser. Ben, va mourir d'abord. Si t'adaptes pas, meurs. C'est comme... Tu sais, la colère qui s'installe de quelqu'un qui te... Je vais dire des grosses méchanceries. Je me tiens.
Mais c'est ça, il faut que je comprenne que la plupart du monde sont comme ça. Il y a du monde qui est fausse, il y a du monde toxique, il y a du monde. Puis il faut pas que je sois sensible. Ben, je vais être sensible à ça. Mais il faut pas que je sente ça comme un rejet ou des affaires comme ça. C'est juste que. Il y a des losers qui restent dans des sous-sols chez ses parents ou qui y a pas de plaisir dans leur vie, il faut qu'ils fassent ça, tu sais. Vous comprenez? Donc, avec ça, je me calme. Je vais finir à me pouponner, je vais finir à prendre ma caféine, je vais faire les squats, je vais me préparer pour aller faire ma massothérapie. Je vais faire un petit peu d'RCR. J'essaie de me tenir dans le moment présent. Est-ce que ça filme toujours? C'est ça. Bon. Adieu.